Ah! Ça y est, mon OBS avait planté, je sais pas pourquoi. Alors je sais pas si vous êtes encore tous là. Vous êtes encore presque tous là. Voilà. Ouais, c'est bon, hein, le live rod. Ah merde, Cindy, elle est pas là. Bon, tant pis. Je voulais voir si quelqu'un regarde le live ou pas. Aïe. Ouais, mais je sais pas pourquoi ça plante. En ce moment, Twitch ou OBS en ce moment plante. Je ne sais pas du tout pourquoi et c'est très inquiétant. Enfin, ça m'inquiète beaucoup là. Donc, je n'ai pas bougé. Hein. Je suis allé à l'hôpital pour les Pokémon. Voilà. Donc, bon, et au moins tu me rassures, Bob. Je vois que le chat fonctionne bien au moins. D'ailleurs, je vais descendre le truc. Hop là, voilà. C'est un peu mieux comme ça. Hop, bon, ben, je sais pas si je les ai soignés ou pas. Non. Alors que même pas, j'ai bougé, vous voyez. Pour rester avec vous. C'est un truc de fou quand même. Pour dire qu'il n'y a pas eu de tricherie. Wow! Le speed émule, c'est tellement bon. Est-ce que vous avez. Enfin, pour ceux qui s'y connaissent beaucoup en Pokémon, est-ce que vous avez un prochain Pokémon si je finis bien celui-là? Parce que bon, dès que j'aurai fini. Dès que je continue et que si je tous mes Pokémon meurent, j'arrêterai ce Pokémon hein, pour faire un autre Pokémon. Et faire un Nuzlocke Change parce que là en ce moment j'ai Emerald qui est de côté et j'ai le rouge donc voilà. Griffe, voilà. Je sais pas quel est le plus efficace entre morsure et griffe pour Mister, mais bon. Oula, on va changer. Oh putain, t'es un enfoiré toi! Chiant hein, mais ils ont empoisonné là. Je sais qu'il va survivre, hein, vous inquiétez pas. Eh putain, casse les couilles. Mon gami, je te lèche. Oh. Je go sur CS Kiss. D'accord, ben la bise Bob et puis ben, à la prochaine. Hop là. Bah alors, t'as rage quit? Bah non, j'ai pas rage quit. C'est Twitch qui a rage quit. Il se dit putain, il a trop de puissance, c'est tout. Le chapeauté! C'est le chapeauté! Oh l'enfoiré, il a fui. Trop de puissance face à lui. Il y a un moucheron juste à côté là. Allez hop, on va dans les Pokémon, on va sur Okouille. Bam! Enfoiré, va. Putain, j'aurais tellement aimé avoir un Misterbe. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quel level il évolue, Miaouss? Twitch n'est qu'un jaloux. Arrive. J'ai pas intérêt à rater l'attaque donc vaut mieux que je passe sur lui. Hop, un petit charge et puis voilà. Allez hop, je crois qu'il est passé niveau 16. Hein. Oups là. Il est 26 ou 28, je pense. Putain, c'est tard que ça? Ouais, donc ce sera pas dans ce live quoi. Ouais, one shot. Hey, comment Miaouss commence à bien évoluer. Il commence à être bien fort Miaouss, c'est cool.
Ah yes, il a raté sa téléporte ce con. C'est bon ça. C'est bon chien. Ouais, level 28, putain, 28. Voilà. Donc j'ai vu hein, qu'il a perdu d'avis, vous inquiétez pas. Oui, on va l'échanger. Ah, il a bien XP encore, Roukouille, hein, c'est pas mal. Allez, allez. J'aimerais bien le faire level up, level 20 avant. D'aller. Ah, d'accord, j'ai juste tourné le dos. je me suis juste tourné sur moi-même et j'ai réussi à aggro un Pokémon. Je sais pas comment c'est possible. Niveau 17. Allez, plus que 3 levels. Et après, il manquera plus que Rondoudou à faire up level 20. Lui, ça va, il est déjà level 15, Rondoudou, donc ça va. Allez, on va le one-shot avec Roukouille parce qu'il me casse les couilles. En fait, Roukouille, c'est le... Comment on appelle ça? C'est le patron des Pokémon maintenant qu'on a. Enfoiré, il m'a empoisonné mon Roukouille. Allez, allez, allez. Hop. Et voilà. Roukouille fait partie de la mafia. C'est le chef de la mafia, de notre mafia, de la team Roger. Ah, c'est plus la team Rocket là, c'est la team Roger. Pas mal ça d'ailleurs, comme nom. Moi je te conseille pour les autres versions vers or. Perle, platine, noir. J'aimerais bien rester sur du côté un peu plus première génération. Parce que je sais pas, c'est celle qui m'a plus le plus comparé aux autres générations quoi. Ah l'enculé, il a essayé de m'empoisonner. Hop, one shot. C'est encore limite contre Misterbe. C'est encore limite. Ouais, Earth, oui, je crois que je m'a rappelé que c'était... comment dire? Ah, il a appris Jackpot. Ça sert complètement à rien, je crois, Jackpot, mais bon. Attendez, je veux revoir ce que ça fait Jackpot, je me rappelle plus du tout de son pouvoir. Jackpot, lance des pièces et l'argent est récupéré plus tard. Oui, ça sert complètement à rien quoi. En plus, c'est pas beaucoup, je crois, qu'on récupère. Allez hop. Comment je fais une fois sur bâtonnet? Alors attendez, je vais régler le problème d'un ami en même temps. Bah Choupi? Oui. Donc une fois que t'es sur bâtonnet, normalement t'as ton compte de créer. Ouais. Tu vas dans dans tes jeux. Donc normalement t'as une bibliothèque où t'as tes jeux. Ouais. Ah là, et normalement sur la droite t'as un truc pour rajouter une clé. Ah, utiliser un code? Voilà, c'est ça où tu mets le code. Et tu me dis si le code te va. Ouais. Oh bah putain. Ah, bientôt niveau 18. Ah non, bientôt niveau 19. Ah, on se rapproche du level 20. Ah merde, j'ai plus de morsure, fais chier. Je vais aller au truc après. Bam, one shot. Hop, on va aller au centre Pokémon. Je joue sur quelle version? Rouge feu. Ah.
Hop. Alors, activez le code. Un code, pardon. Oh putain, ce gamin, il me trollera toujours. Vous avez déjà obtenu cet objet sur cette, sur votre compte battlenet.net, what? Ah, tu l'as déjà... T'as déjà acheté, ça, alors? Non. Bah, regarde. Va sur ton client battlenet et regarde. S'ils te disent que tu peux le télécharger, ça veut dire que tu l'as déjà. La jour de battlenet, redémarrer maintenant. Voilà. Les palettes Chroma sont sorties sur LoL. Ah ouais? Ça y est, ils sont sortis là. Enfin, ils sont achetables et tout. Et alors, c'est Chroma pour tous les personnages ou juste... Les Chroma. Oui, les chromatiques, ça veut dire les shiny, les différentes couleurs. Tu sais, quand tu rachetais... Les petits... Oui, les petits grades, là. Non, pas les grades. Tu sais, genre par exemple, t'as ton personnage, le skin de base de Garen par exemple. Tu vois, il est un petit peu bleu, etc. Bah, par exemple, le même skin, tu peux l'avoir dans différentes couleurs. Ah. Voilà, c'est ça la chromatique. Mais ils avaient parlé de. D'avoir des grades au-dessus de notre tête, là, c'est toujours pas mis en circulation. Ah, j'en sais rien du tout, ça. Genre les petits levels, là, je sais plus comment ça s'appelle. Exactement. Alors là, je peux pas te dire, excuse-moi, mais. Alors là, je vois pas. J'ai même pas entendu. En mise à jour, redémarrer maintenant. D'ailleurs, il va falloir que je m'y remette un petit peu plus quand même sur LoL. Ça me. Voilà. Ce serait cool. Enfin, on va le redémarrer. Hop. Et du coup, là, je suis à 500 followers, là. Sachant que j'étais revenu à 499 parce qu'il y a eu des Anglais qui se sont désabonnés. Qui est tout à fait normal, je m'y attendais tout à fait. De quoi? À gauche, j'ai Heroes of the Storm, mais bon. Hein? Il y a écrit Heroes of the Storm à gauche. Oui. Ils me disent installer, mais bon. Je l'ai même pas acheté, j'ai rien fait. Ah, mais c'est parce que ça fait longtemps que t'es abonné, enfin que t'es sur Battle.net, et puis parfois ils donnent comme ça la clé. Ils lui donnent parfois au hasard. Des jeux comme ça? Oui, parfois ils lui donnent au hasard. Ça arrive qu'il y ait des gens qui le reçoivent par hasard. Emplacement de l'installation. Ils en avaient parlé qui donnait parfois le jeu à des gens au hasard. Bah, je sais pas, est-ce que t'as Diablo ou des trucs comme ça? Bah, j'ai StarCraft 2, Hearthstone. Ah, bah, c'est peut-être pour ça, parce que t'as StarCraft 2 sûrement. Ah, niveau 20 avec chapeauté. Ça, c'est bien. Maintenant, on peut faire up, grand doudou, Bieberwood. Et il met 4 Go, il écrit espace disque. Insuffisant, ouais. Mais tu as foufou rencontré à route 3, au numéro 5. Ah, c'est cool. Mais oui, je sais que mes disques ils sont pleins, mais tu sais pas comment je peux vider mes disques durs, par hasard? Comment ça? Bah, en fait, mes 2 disques durs sont pleins. Bah, à craquer. Bah, tu vas dans les dossiers, tu vides, tu enlèves tout ce qu'il faut. Mais ouais, mais il y a plein de trucs à virer, je pense, mais... Je connais pas, si je désinstalle un truc qu'il faut pas, t'as vu? Ah, bah alors là, je sais pas. Démarrer ordinateur, le disque local C, le disque local D. Putain, il m'a empoisonné le con, ouais. Bim, Star Wars, World of Tank, Dragon War, c'est quoi ça? Hop, on va aller donc regarder voir s'il y a du poison. Bon, bah, je retourne sur mon live, je me remute. De quoi? Bah, t'as plus besoin de moi, c'est bon. Je suis bien avec toi, lol. Hein? Je suis bien avec toi, lol. Ouais, mais non, il faut que ça soit concentré sur Pokémon, sinon les gens ils vont être perdus. Pokémon, d'être concentré? Oui. Lol. Eh, j'ai du farm à faire, faut que je me concentre même dessus. Si je perds un Pokémon, ce sera de ta faute. Voilà. Je vais les jeux farmer à la Pokémon. Hein? De quoi? Je dis, tu peux jouer les jeux farmer à Pokémon. Non, non, pas en Nuzlocke Challenge. Non, non, non. Bah, alors, Bah, je te dis à toutes. Et salut à toi, Fire Red Shadow Sietsko. Ok, c'est bon, j'ai large. J'ai large de quoi faire. C'est bon. Il est empoisonné, je sais, vous inquiétez pas. Hop. Euh.
J'aime pas trop ceux de Garen, quoi. Ceux de fils sont horribles aussi, bah j'imagine bien. Bah écoute, les bonnes manières. Ah bah oui, hein. Les bonnes manières, hein. C'est ça. Hein. Écrase fat, bam! One shot. Allez hop, on le fait up, level up niveau 20. Je crois que ça suffira si j'ai mes 3 Pokémon en level 20. Et après, on ira récupérer Susbull, voir où est-ce qu'il en est. Quelqu'un s'y connaît en PC? Ouais, un peu, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il là? Bon, l'autre il s'est enfui comme comme un lâche. Allez, allez. One shot, bam, niveau 16. Ça c'est plutôt bon. Allez, allez. Merde, j'ai... Ouais, bah, oui, c'était exactement ce que je voulais faire. Putain, mais arrête de rater ton attaque! Arrête de rater ton attaque! Oh, tu me casses les couilles. Je sais même pas à quoi sert l'entrave en plus. Et voilà, il s'est fait empoisonner ce con là. 5 fois il a raté son attaque quand même. Quand c'est pas des coups critiques, c'est des ratages d'attaque, c'est n'importe quoi. Besoin d'un new PC. Pour jouer à CS environ 200 FPS, tu conseilles quoi comme processeur? Bah ça dépend, c'est quoi ton budget? Parce que genre Intel Core i5 qui est plutôt pas mal. Après je ne connais qu'en i5 etc. Enfin qu'en Intel Core, je connais pas les AMD. J'y connais qu'en Intel Core. Après il y en a qui sont pro AMD qui vont te dire ouais, il n'y a que les AMD de bien. Après il y en a qui sont pro Intel Core, ils vont te dire pro Intel Core c'est le mieux. Enfin voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Écrase de face, c'est bien efficace en fait. Voilà. Putain, le speed émule, c'est tellement bon. Pour le processeur ou pour l'ordi entier? Les 600-700 euros. Et niveau 17, c'est plutôt bien. J'ai bien XP. Excusez-moi. J'ai XP plutôt bien là. Ça avance avec Bieber. L'ordi. Donc non mais c'est possible hein, de faire 600-700 euros pour l'ordi. Intel Core i5 alors. Intel Core i5, je sais pas comment il s'appelle. Je me rappelle plus à chaque fois du chiffre etc. Mais c'est un... Je sais plus si c'est un 4750... C'est un 4750K. Intel Core i5 est 4750K, je crois qu'il coûte pas très cher. Et qu'il est très efficace. Et je crois qu'il coûte vers les 200 euros par là. 200 euros. Donc après, si tu veux acheter une carte graphique, ce sera une 750. Une GTX 750 qui coûte vers les 100 et quelques euros. Parce que ça va très vite, hein. Après, il faut que je calcule de tête un petit peu. Qu'est-ce que t'as d'autre après? T'as donc le petit Ventirad qui coûte vers les trentaines d'euros. La boîte d'Alim. Je vais aller le soigner vite fait. Donc comme je t'ai dit, une CG, bah, la GTX 750. Elle est très très bien. Non, pas la 2450.
Non, celle-là, c'est pas la dernière, Red Boy. Et en plus, il faut que ce soit une K derrière le chiffre. Il faut que ce soit un K. Quand c'est un K derrière, ça veut dire que ça fait exprès pour le gaming, justement. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait une grosse connerie avec mon Intel Core i7. Et je le sais, donc du coup, voilà, je suis... Bon, il est très très bien quand même, le Intel Core que j'ai, hein, mais il n'utilise pas à 100% ma carte graphique, quoi, c'est ça que je veux dire. Merde, j'ai essayé de faire en... Merde. Allez, crasse face, yes. Bah, ça va beaucoup plus vite comme ça. Donc je fais gaffe à la vie quand même de... Voilà, niveau 20. Putain. Je dis ça car moi je... C'est ce que j'ai... Ah d'accord. Non, non, c'est pas ça. Merci beaucoup. Après, si tu as le temps, tu pourras me faire une config pour me conseiller. Voilà. Oula, faire carrément une config entière. Essaye de demander sur Ozeria Counter-Strike. Tu sais, tu cliques sur le lien qui est en dessous. Là, il y a un gros O avec un Z dedans. Tu cliques dessus et ils ont un... Comment ça s'appelle Bon bref, ils ont un groupe qui est basé sur Counter-Strike et tu peux faire une demande et le groupe est assez sérieux, donc voilà. Donc tu peux... Puis aussi sur League of Legends Roseria. Donc tu leur demandes, tu fais un petit post et tu fais une petite demande. Parce qu'il y en a, ils sont pros dedans, donc ils te conseilleront beaucoup mieux que moi. Tu leur dis ton budget. Et il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus pros que moi en config PC. Donc, moi, je vais me spécialiser dedans plus tard, mais je suis pas encore, je suis pas encore spécialiste quoi. Parce que je vais justement faire des formations pour ça, mais je préfère pas te dire de conneries. Et bon, je t'ai dit la base. Après, pour le reste, voilà quoi. Après, si t'as déjà un boîtier PC, ça c'est cool. Ça te fait un Tu peux rajouter donc plus de prix. Si tu as déjà un boîtier PC qui est de côté, tu peux rajouter déjà donc un prix pour le reste quoi. Donc on va essayer d'aller voir. Je crois que c'est bon, j'ai vu tous les dresseurs ici. Ah putain, je peux pas le voir. Je crois qu'on était allé jusque là. Est-ce qu'on peut leur parler? Salut, il y a personne avec toi? Si tu viens au Cap Tabzuria, autant que ça soit avec quelqu'un. Bah oui, hein. T'es tout seul, t'es nul, t'es mauvais. C'est ça en gros qui me dit quoi. Voilà, c'est une speed, c'est le speed émule hein, quand ça fait ça. Voilà. Ben, je crois qu'on peut aller donc faire un petit tour. Voilà, un petit tour à l'arène. On va essayer de voir le premier dresseur, voir comment on s'en sort. Allez hop. On prend donc notre roucouille en première ligne. Je suis Prime Spaston. Je vous ai réveillé, j'espère. Ou ça, bah, comme je t'ai dit dans la description, donc je sais pas si t'as vu après. Hippotrempe est envoyé. Roku Hugo. Je sais pas si ton net c'est très efficace contre l'eau. Il m'a fait les gros yeux. Hippotrempe ennemi est mort. Roku il donne 283 milliards de points.
Voulez-vous changer de Pokémon? Ouais, on va prendre le chapeauté là, vite fait. Roku, il revient! Chapeauté, go! Courrier s'est envoyé. Coquillage. Tiens! Bam! Ah, c'est très efficace. It's super effectif! Ah, défense de coquillage augmente! Mais la morsure de chapeauté le crosse complètement. Voilà. T'aurais fallu un Pokémon plante, je sais, mais avec le Nuzlocke Challenge, j'en ai pas eu, donc bon. Puis j'ai fait un arrêt cardiaque. Ah, mon dieu. Voilà. Enfin, tu vois, Cindy, je t'ai fait peur. Oh, c'est dingue, hein. Comment tu m'as tué, hein. C'est complètement fou, hein. Coucou. Je suis assez bonne pour toi. On dit d'attendre. Coquine, je suis assez bonne. Elle est assez bonne. Bonne. Oh oui, bonne pour moi. Pique-nique, Diane. Elle s'appelle Pique-nique. Tous les jours, elle pique et nique. Ennemi utilise coup de corne. Oh, dans le cul. Vive attaque. Wachiou. Utilise tourniquet. Tourniquet. J'étais mouillé. La puissance du feu est affaiblie. Oh, oh, oh. Attention, ouais. Poids sirène ennemi, il est KO. Roucouille. Va passer niveau 20. Non. Il passera pas niveau 26. Je me suis fait écraser. Je me suis fait écraser. Allop, on revient. On va aller faire vite fait XP Roucouille pour le faire passer niveau 26. Parce que c'est toujours des stats en plus. Et ça, c'est bon les stats en plus. Et après, on va aller faire soigner. Hop, voilà. Hop, niveau 26. Pi. C'est quoi ton article? Quoi? Oula, ça drop. Et ça droppe plus. D'accord. Ça a droppé pendant un moment et puis ça droppe plus. Je les ai soignés deux fois de suite, je sais. Hop. On va sauvegarder. Ah, on va aller récupérer Susboule. Merde, putain, D'accord, je suis allé trop vite. Allez, mais non, mais bah, à gauche, voilà. Mais non, merde, putain, je suis obligé de refaire le tour. Ah, connard de gosse, là. Hop, voilà, on va aller voir où est-ce que ça en est pour Susboule. Ton Susboule a bien grandi. Il a 5 niveaux en plus. What? Donne-moi 600 000 dollars pour que je te rende ton Pokémon. Vas-y, fais-moi voir. Roger récupère Susboule. Oh, il est niveau 19. Ah, je croyais qu'il était niveau 15. Putain, cool. Bon, ben, c'est cool. Un Pokémon en plus et qui est niveau déjà 19. Plutôt bon, ça. Mais comment on fait pour repasser? Voilà. Voilà. Ah merde, la reine. C'est bon, normalement. Tout doit être bon. Et hop, on y va. On se fait Ondine. Ondine!
Viens ici! Je vais te sucer, tu vas me sucer la bite! Avant, on va sauvegarder un petit coup là, tu sais. Tiens, un nouveau visage! Si tu veux un vrai dresseur, il te faut... Ah non, si tu veux être un vrai dresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta tactique pour capturer les Pokémon sauvages? Moi, ma tactique, c'est attaquer des Pokémon. Oh, oh, oh. Un combat a été lancé par Champion Ondine. Championne Ondine. Starry. Attaque vive attaque. Ouh, presque. Utilise armure. Oh. Alors. Encore une vive attaque, puis voilà. Starry ennemi KO. Roku gagne 400 points. Ouh, putain, c'est pas mal ça. Staros va être envoyé. Voulez-vous changer de Pokémon? Non, pour l'instant, on va garder celui-là. Staros, il est assez facile. C'est l'évolution, voilà. Oh, mais ça va, il est niveau 21. Vibre à quoi? Putain, 23 points. Bah, oh, il est confus, mon Pokémon. Non, l'enfoiré. Oh, mais non, il était pas confus. Oh non! Non! Reviens, roucouille! Chapeau de Teco! Il est presque du même niveau, il est plutôt costaud. Je n'ai absolument rien dit. Ça va être super chaud là! Mais arrête d'utiliser Vibraquois là! Allez, berceuse, essaye de l'endormir. Oh là là. Endors-le. Endors-le! Mais non! Mais espèce de con! Mais non, mais super potion, ça sert à rien ça. Putain, il est chiant avec Vibraquois lui. Alors, on va essayer de réutiliser Roucouille. En espérant qu'il tienne, qu'il fasse pas de coup critique. Allez. Tu peux le faire. Tiens le coup, ne sois pas confus. Ok. Vive attaque! Et tiens le coup. Oh là. Oh putain, j'ai cru qu'il allait se taper lui-même. T'es marrant toi. Putain. Salut à toi, Msaminé. Le problème là, c'est que si j'utilise ça. Ou alors il faudra que je fasse suicider Susboule. Le temps que je soigne Roucouille. On va faire ça. Tant pis si Susboule meurt. Hein. Mais non, qu'est-ce que je vais faire? Putain, on y est tellement presque en plus. Je suis obligé de faire mourir Susboule. Hein. Salut à toi, Cola Desired. Alors, soit je fais mourir Susboule.
Je soigne, Roucouille. Il sera à 37 points de vie. Ah, mais le problème, c'est que dès qu'il va... Oh, putain, c'est chaud. Qui sait que je pourrais me permettre de faire mourir? Donc, je rappelle, hein, j'ai plus mon starter, c'est normal. GG pour les 500 followers, en passant. Bah, merci à toi, Massaminé. Là, je vous rappelle, hein, si tous mes Pokémon meurent... Si tous mes Pokémon meurent, l'aventure sur Pokémon de Rouge-Feu est finie. Ou on le reprendra beaucoup plus tard alors. Ou alors on pourra le continuer, mais on ne sera plus en Nuzlocke Challenge. Le Meowth. Pour après Suisbull, hein, le temps que je. Parce qu'il faut que je mette deux potions sur Roucouille. Je suis obligé de mettre deux potions sur Roucouille. Donc je vais être obligé de faire tuer Suisbull. Ah mais ça me fait chier, Chapoté il est super bien. Et Biberon aussi il est super bien. En tout cas il faut pas que je perde Roucouille. Faut que Roucouille tienne deux attaques de Vibraquois. Le temps qu'il fasse deux vives attaques. Utilise tornade plus efficace. Ah non, c'est pas plus efficace. Hein. Mais de toute façon, le problème en fait, c'est que je suis obligé de faire vive attaque. Au pire, attaque-le avec Suisbull. Oui, mais après, ça me fera donc deux Pokémon qui vont mourir pour rien. Et Suisbull va pas lui faire assez de dégâts, et il a pas ce qu'il faut. Morsure, ça, non, ça pourrait pas lui faire assez de dégâts, hein, morsure. Bah ouais, merde, j'ai oublié. Putain, tu m'as fait faire une connerie, comme ça. J'ai oublié que j'étais obligé de faire vive attaque. Non, vampirisme, il récupérerait que 3 points de vie, c'est rien. Ah bah ils vont tous mourir les uns après les autres là. Oh là là. Il est niveau 21 quoi, merde. Pourquoi il est si puissant? Allez, on va essayer de faire ça avec vive attaque. Allez, il faut qu'il fasse deux vive attaques et qu'il les rate pas. Voilà, il faut pas qu'il rate l'autre. Ça me fait pas de coup critique. Non! Oh non! Putain, j'ai plus de super potion moi en plus. Et je peux pas fuir, ben, j'imagine. Putain, j'ai complètement oublié son truc de merde là. Certes, je vais tenir à ça, mais ça me servait à rien. Bah oui, il fait 23 points de dégâts. En plus, son Vibraquois, il est super rapide, quoi. Pff, voilà, il reste plus que Biberon, quoi, mais t'es sérieux.
Seule chose que je peux faire, c'est l'endormir. Si je peux. Ah ben non, je peux pas. Quoi? En plus, il me troll, ce fils de pute! Oh là 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 là! Bon. Bah, comme quoi, le Nuzlocke Change, c'est vraiment très dur, hein. Tant pis, j'aurais essayé. Et tu peux aider à gagner avec une verre, hein, tu gagnes, il compte 416 dollars! Fils de pute. Putain. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on go sur CSGO ou quoi? Putain. Ah bah vas-y, Amsamine, essaye avec un Nuzlocke Change, on va rigoler. Ou alors est-ce qu'on continue? Je remets tous les Pokémon, tous mes Pokémon. Alors qu'est-ce qu'on fait les gars? Et les filles? C'est quoi ça? Je crois que ça marque. Attends quoi? Je suis arrivé, j'ai entendu. Tu vas me chucher la bite avec un accent africain. Je crois que ça a marqué un tournant dans ma vie. Comme un moment où vous vous rendez compte que Bambi est orphelin et que la tête de sa mère est sûrement sur le mur du chasseur. Les bois. Et comme vous vous dites qu'au final, Brigitte Le Cordier, finalement, elle est cool. What? C'est quand même de la merde. Mais comme ça a bercé notre enfance, on sent carte la baraque à la frite avec du beurre de cacahuète à rhum caramel. Putain, c'est bon ça. Mais on s'est resté perplexe devant un entaille de Pokémon et que t'entends qu'il est bizarre. Oh putain. C'est quoi ce. Putain. Le gars il a pas de chance, il vient sur mon stream, il entend au moment où il vient, il entend, tu vas me chucher la bite là. People au moment où il vient. Il a pas de chance. Putain, je te jure. Ah putain. Alors, est-ce qu'on go sur CSGO, HOTS ou League of Legends, vous me dites? Putain, je te jure. Putain, je te jure. Oh putain. J'arrive de sucer des pénis cuits. Ah putain. Ah, il m'a bien fait rire. J'avoue, il y avait des idiots, putain. C'est bizarre, il y a souvent des personnes qui arrivent au moment où je. Quand je stream, qui arrivent au pipo au bon moment. C'est... Genre, c'est leur destin. Oh putain. Ah putain. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on va sur HOTS? Est-ce qu'on va sur League of Legends? Est-ce qu'on continue sans le Nuzlocke Challenge? Parce que moi, je vous dis, hein, si je refais avec le Nuzlocke Challenge, je reprends Reptessel. Hein, j'en ai rien à foutre. C'est mes règles à moi maintenant, rien à foutre. Hop, lui on va le mettre en haut. Ah, si vous voulez, je mets deux Pokémon dedans, mais voilà quoi. Est-ce qu'on peut te stalk si tu vas sur LOL ou HOTS? C'est-à-dire me stalk, que veux-tu dire par là? Que veux-tu dire par là, par me stalk? Est-ce que tu veux venir dans mes parties? C'est ça que tu veux dire? Est-ce que le test de Osiria est revenu à la normale? Ah non, toujours pas.
Bah, je sais pas si ça vous intéresse. Je sais pas, pour moi, jouer avec les viewers, c'est pas super intéressant pour vous, quoi. Parce que bon. Mais je crois que j'aimerais bien jouer quand même à LoL, je sais pas pour vous. Donc, je vais refaire un vote. Voir. Je vais faire un straw poll. J'adore les straw polls. Voilà, je vais refaire un straw poll. Vu que tous mes Pokémon sont morts, est-ce que je continue l'aventure avec les... Ah merde. Je voulais dire merde. Je continue sous quelles conditions? Alors la première c'est... Je reprends mes Pokémon et on fait comme si de rien n'était. Y compris Salam me lèche. Parce que c'est impossible j'ai l'impression sans... Sans le starter j'ai l'impression que ce sera impossible. Le 2. On va faire... Je continue sur Pokémon Rouge Feu sans Nuzlocke Challenge. Ou en 3. Je refais un autre Pokémon. Voilà, je vais demander donc à mes modos, comme d'habitude, de faire tourner dès qu'ils pourront. Voilà. Donc voilà, moi je n'ai pas d'avis sur les trois. Les trois me vont. Moi franchement, les trois me vont. Donc vous votez, vous me dites je reprends mes Pokémon et on fait comme si dans un été. Je reprends donc Salam lèche. Ou. Je refais un autre Pokémon ou je continue sur Pokémon Rouge Feu sans Nuzlocke Challenge. Donc pour ça, pour les réponses, on verra donc pour demain soir à 21h. On verra. Sur ce, on va arrêter donc Pokémon. On va arrêter Pokémon. Et merci à toi, Repo, Tipoto, peut-être abonné. Et bienvenue et au plaisir. Voilà. On va se faire donc. C'est un soin, Amigam Legend. Attendez, je sais pas s'il y a du mode sur CSGO. Je regarde un petit coup là, vous savez. Soyez pas choqués par ma voix aussi sensuelle. J'aime beaucoup ma voix sensuelle. Bref. Mais dis donc là. Voulez-vous, monsieur, c'est la bête. Alors attendez, je regarde s'il y a du monde pour faire du CSGO, s'il y en a. Bon, sur ce, je vais redémarrer le live. Et je ne savais plus quoi dire. Je vais regarder vite fait sur Steam. Parce que j'ai plutôt envie d'un CS pour changer. Plutôt envie d'un CS. Et si vous voulez donc jouer avec moi sur CS, y a pas de souci, c'est juste par rapport au niveau donc que c'est assez bloqué. Voilà. Donc pour ceux qui sont sur le rediff YouTube, vous pouvez partir, hein, vous inquiétez pas. Et demain, il va falloir que je tourne du GTA V.
Ou plutôt, je regardais dans les jeux auxquels tu joues. Je vois aussi. Je vois Dragon. Et Dragon Age Origin. Ouh là là, j'aime. Donc, faut savoir que Dragon Age Origin, j'y jouais que le début. Hein. Donc, il y a deux votes pour l'instant pour je refais un Pokémon. Donc, on verra ça pour demain. Hein, pour le vote. Le vote final, on verra ça pour demain. Bah, je vais vous rejoindre si il reste une place. Donc on va faire du CSGO. Voilà. Normalement, il y a une place. Donc je vais redémarrer le live. Ne quittez pas. Attention, je mets le doigt dans le. Voilà. Ne quittez pas, je reviens. Voilà. Tiens, j'ai mise à jour de APB Reloaded. Ah, ce serait bien d'un jour de revenir dessus. Juste pour le délire. Ce serait plutôt cool. Bref. Je reviens, ne quittez pas, je relance le live. C'est pour le rediff sur YouTube. Comme ça, je mets la rediff sur YouTube. Bref. À tout de suite. Ne quittez pas. Et pour ceux qui sont sur YouTube, au plaisir. Voilà. Comme ça, c'est partagé. Mais quel pro ce Gamius, c'est un truc de fou.